voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Pour observer, il faut voir, et pour voir, il faut capter les rayonnements électromagnétiques émis par une source d'énergie. Beaucoup de ces rayons sont invisibles, certains ont été longtemps énigmatiques. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen découvrit des rayonnements à très haute fréquence, mais dont il ne put définir la nature. Il les nomma donc rayons X. X-rays is light. Les rayons X sont de la lumière. La différence, c'est que ces rayons X ont bien plus d'énergie que notre lumière normale. On voit ces rayons dans des contextes plutôt négatifs, comme une jambe cassée. Dans l'astrophysique, nous ne sommes pas intéressés par ces ombres. Ce qui nous intéresse, c'est la source qui émet ces rayons quelque part dans l'univers. L'ESAC, le Centre européen d'astronomie spatiale près de Madrid. L'espace joue un rôle essentiel dans la détection et l'étude des rayons X du cosmos. Les rayons X ne peuvent pas pénétrer dans l'atmosphère de notre planète, tout simplement parce qu'il y a trop de gaz entre nous, sur la surface de la Terre et l'espace. Par conséquent, l'observatoire rayon X doit être extrait de l'atmosphère pour pouvoir observer le ciel à rayon X. Fin 1999, l'Agence spatiale européenne lançait XMM Newton, un observatoire spatial de près de 4 tonnes équipé de 3 télescopes sensibles aux photos des rayons X. Et depuis 10 ans, les données scientifiques aboutissent ici à l'ESAC, dans la salle de contrôle scientifique de la mission. 24 heures sur 24, on veille à la bonne marche des instruments. Notre rôle, c'est de contrôler les opérations scientifiques, ce que font les instruments embarqués et les relevés scientifiques. Toutes les 48 heures, l'observatoire décrit une orbite elliptique qui fait varier sa distance de la Terre de 7000 à 114 000 km. Cela permet de mettre en sommeil le satellite pendant les 8 heures de la traversée des dangereuses particules énergétiques de la ceinture de Van Allen et d'avoir des temps d'observation plus longs car les utilisateurs sont nombreux. L'observatoire est à la disposition de tous les astronomes du monde entier. Ceux qui veulent utiliser XMM Newton doivent nous soumettre une requête qui sera évaluée par un comité scientifique composé d'astronomes et qui va soutenir les meilleurs projets, ceux qui méritent vraiment d'être développés. L'Institut Max Planck de physique spatiale de Garching en Allemagne est à la fois utilisateur et l'un des concepteurs d'un instrument d'observation. Voici l'un des miroirs de XMM Newton, et nous en avons en tout 58 dans chacun des 3 télescopes. Soigneusement disposés en cercle concentrique, les fines lamelles réfléchissantes des 3 télescopes vont dévier de 1 degré un maximum de photons émis par des sources lointaines de rayons X. Les photons réfléchis sont captés par les capteurs ultrasensibles du récepteur. Et voici l'un des détecteurs EPIC. Il rassemble tous les photons obtenus par le grand télescope que nous avons vu avant. Certains phénomènes observés sont éloignés de plusieurs millions d'années-lumière, mais entrent dans le champ de recherche des 3 télescopes de XMM Newton. Ce sont 3 grands yeux ouverts sur ce qui était inconnu ou incompréhensible avant le début de l'ère spatiale. Grâce aux rayons X générés par les énormes forces gravitationnelles ou des champs magnétiques intenses qui sont le résultat de grands bouleversements dans le cosmos, les astrophysiciens peuvent maintenant étudier des corps célestes étranges. Une étoile à neutrons est une étoile qui en est à sa dernière phase de vie quand le combustible nucléaire est épuisé. C'est une étoile massive. Elle va se dilater et perdre son atmosphère et son cœur va s'effondrer sur lui-même pour devenir une étoile à neutrons d'une très forte densité. La taille de cette étoile à neutrons est de 10 km, ce qui est typique. Un petit monstre dangereux et vorace qui peut former un système binaire avec une autre étoile et finir par cannibaliser les gaz de la malheureuse étoile. Ces gaz qui tournent en spirale autour de l'étoile à neutrons atteignent des températures de plusieurs millions de degrés et émettent alors des rayons X. Et puis,
Il y a l'un des sujets rois de la cosmologie, celui qui est une passion pour de nombreux astrophysiciens et astronomes. Les célèbres trous noirs, dont les bords en mouvement tournoyant, génèrent d'énormes champs magnétiques qui happent tout sur leur passage. Un trou noir présente deux caractéristiques, sa masse et sa rotation. Sa vitesse de rotation, cela trompe l'espace-temps qui se situe autour. Et la seule façon d'observer de nos jours un tel phénomène, c'est avec des rayons X. Autre exemple des rayons X en astrophysique, les amas de galaxies. Un amas de galaxies contient des milliers de galaxies. Dans la lumière visible, on ne voit qu'une poignée de points. Avec les rayons X, les amas galactiques sont les sources les plus lumineuses dans le ciel. Autre exemple de recherche, en 1015, des astronomes chinois ont observé et rapporté l'explosion de l'étoile qui créa ensuite la supernova dite du crabe à 6300 années-lumière de la Terre. XMM Newton continue aujourd'hui à collecter des informations sur les structures rémanentes de cette supernova. Une température élevée est l'un des principaux mécanismes de production des rayons X, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi, par exemple, la radiation cyclotron. Nous voyons ici les restes d'une supernova. Quand une supernova explose, elle crée une onde de choc qui s'échappe dans l'espace interstellaire, et cela crée des radiations cyclotron, des radiations que l'on peut voir grâce aux ondes radio et aux rayons X sur deux longueurs d'onde très différentes, mais cela nous permet de tirer des conclusions sur ces mécanismes. En 10 ans, la mission XMM Newton a non seulement fourni une foule de données, mais elle a surtout permis de concevoir une nouvelle vision des forces qui régissent l'univers. Les premières observations de XMM Newton ont été très surprenantes. Nous avons eu des premiers éléments de compréhension au sujet de la création de trous noirs, de la création de galaxies et d'amas, et notamment sur la façon dont tout ceci se développe, et particulièrement sur la façon dont tous ces mécanismes régulent la croissance de tous ces composants. Grâce à l'astronomie spatiale et par la symbiose des différentes disciplines, les phénomènes cosmiques les plus mystérieux finiront par livrer leurs secrets. En étudiant ces structures, nous pouvons alors comprendre la façon dont le Big Bang s'est produit, comment les galaxies se sont formées et comment la matière s'est répartie telle que nous la voyons maintenant. Par la force de ses succès, la mission XMM Newton a été officiellement reconduite jusqu'à la fin de 2012. Les scientifiques espèrent bien pouvoir la prolonger encore jusqu'en 2020.